Car en temps après la découverte du premier cas de sida, nous devons nous rappeler que ce fut un jour très difficile. Car cette pandémie fut d'abord caractérisée comme une plaie concernant seulement les homosexuels. Les gens avaient peur les uns des autres, se cachaient. On ne pensait pas pouvoir trouver un jour un traitement pour soigner les malades, et ça résonna comme une sentence de mort. Il est important pour nous de se remémorer ça. Il y a des progrès, ce n'est pas le moment de se désengager, mais plutôt de continuer à investir pour lutter contre le virus du sida. Aujourd'hui, 56 pays et même plus ont réussi à stabiliser l'épidémie et même à réduire de façon significative le nombre de nouvelles infections.